de pas prendre un bonus ou pas? Il nous tendait les bras, hein, on a l'impression. Mais... On marque quoi, 2 essais au bout de 50, 55 minutes, mais après, on, sur le terrain, on s'est un peu passé le mot pour aller chercher ce troisième essai, mais malheureusement, bon, on n'a pas fait le match qu'il fallait, on méritait vraiment pas de prendre 5 points ce soir. Justement, ton regard sur le match, qu'est-ce qui a foiré? Un peu tôt, on voulait essayer de porter le ballon, de le déplacer, on a réussi à le faire pendant, je pense, 3-4 minutes là, sur le début du match, et après, tout s'est un peu délité. On a oublié de mettre les choses essentielles du rugby, c'est-à-dire la conquête, la défense, voilà, se passer des bons ballons. Et au fur et à mesure, on a fait des fautes de main, on a pris des pénalités. On a pris un peu une petite faillite au pied aussi. Donc forcément, on n'a pas réussi à les décoller au score. On s'est mis un peu le doute. Et voilà, on a joué le frein à main durant la dernière demi-heure. Après. Quand vous accélérez sur les 20 premières minutes, on a l'impression que ça va dérouler. Oui, on avait aussi cette impression sur le terrain qu'on maîtrisait un peu notre sujet, qu'on leur était un peu supérieur quand on tenait le ballon, parce qu'ils faisaient vite des fautes, ils perdaient vite patience. Mais, malheureusement, voilà, on a marqué ce premier essai, puis après on s'est un peu reposé sur nos lauriers. Et voilà, après, on a pas su enchaîner, on a fait quelques fautes, on a perdu des ballons importants. Et on a beaucoup joué chez nous, et voilà, après, le match a perdu un peu de son rythme. On est tombé dans un faux rythme, le rythme un peu imposé par que Carcassonne était venu chercher. On n'a pas réussi à s'en sortir. Ils sont pénibles aussi, hein, ils sont provocateurs, on sait comment ils jouent. Oui, mais c'est une équipe qui s'appuie voilà, sur ses points forts. Ils essaient de mettre l'adversaire à mal, de déstabiliser. Et nous, on est dans une période où on doute pas mal. Donc, ce soir, on n'était pas assez maître de notre sujet, pas assez en confiance pour être au-dessus de ça. Donc, c'est pour ça qu'on finit avec un score étriqué. Et un contenu qui n'est pas très très bon. Il y a eu quelques belles initiatives importantes, mais toujours entachées dans une avance. Je ne sais pas combien il y en a eu. Oui. Pourtant, on a joué des très bonnes conditions, on n'est pas habitué à ça hein, souvent. Mais voilà, toujours un peu, on s'est un peu précipité. On a manqué vraiment, on a vraiment manqué de patience. On a tous voulu faire le maître de trop ou la passe qu'il ne faut pas au mauvais moment. Et donc du coup, voilà, on n'a pas eu de continuité dans le jeu, on n'a pas su porter le ballon assez longtemps.